L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Genèse, au chapitre 28. Donc, au fond, la Bible, la Bible, la Bible, la Genèse, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Nous allons lire du verset 11 au verset 22. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommeil touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'étenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, et s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. » Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien-aimé, dit Seigneur, notre thème de ce jour est le suivant. L'appui-tête de Jacob. Coussin Yamutu ya Jacob. Nous allons voir. Tokomona. Pourquoi Dieu envoie ce thème ce matin? Car sur cette terre, chacun a son appui-tête qu'il met à son chevet quand il veut dormir pour sentir un confort dans son sommeil, au moment où il se repose. Alors, nous allons voir, selon la puits-tête que tu as mis à ta tête, le ciel sera soit ouvert au-dessus de toi, ou tout simplement, le ciel sera fermé. Selon la petite tête que tu t'es choisie. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu à cette histoire. Vous vous souvenez comment Jacob avait frauduleusement obtenu la bénédiction de la part de son père Isaac, alors que cette bénédiction était destinée à son frère Ésaü.
Namayele ya muyibi na ndenga muyibi azwaki lipamboli ya ndekunaye azwange papa na bango Isaac zoki lipambo lango zelaki ya ndekunaye Esau. Alors bongo qu'est-ce qui s'est passé? Nini selemaki? Esaü s'était mis en colère. Esau azwaka kanda contre son frère. Contre ndekunaye. Comment a-t-il pu dérober ma bénédiction? Il faut que je le tue. Et c'est ainsi que Jacob, pour avoir la vie sauve, avait résolu, sur les conseils de sa mère, d'aller très loin de son frère afin de sauver son âme. Bongonde Jacob, pour la kubiki, c'est bon, mon aïe. Chemin faisant, zela, la nuit est tombée. Boutou et yaki. Alors il arrive à un endroit. Bongo Jacob, akomeke na esika moko. Il dit, je vais me reposer en cet endroit. Ami le beli, na kopema na esika yo. Mais il voit curieusement une pierre. Kasi likambo ko kamisa. Jacob amoni libanga moko qui traînait par là. Où est-ce qu'il a fait et sikawana? Il choisit la pierre, il met à son chevet. Jacob a poni libanga yango, a ti yango na sa mutu na ye. Et durant la nuit, bongo na butu, la pierre se transforme en une échelle. Libanga yango e bongo mi changer et comme une échelle et boutelo. Et cette échelle allait de la terre jusqu'au ciel. Et là au ciel, le ciel était ouvert. Et au-dessus de cette échelle, Dieu s'y tenait. Oh. Il entend Dieu parler. Jacob a écrit Zambé Koloba. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Nazali Zambe atatana yo Abalayama. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Nazali Zambe atatana yo Isaka. La terre sur laquelle tu te tiens, je te la donnerai. Mabele siko zili kotele mawana na kopesa yo yango. À toi et à ta postérité. Na yo moko pena bakiteni na yo. Je serai avec toi partout. Na kuzala na yo elongo bisika nyonso. Personne ne te fera du mal. Je te bénirai. Oh là là. Jacob se réveille le matin. Jacob alamoki na tongo. Il se dit. Ami le béni. Que cet endroit est redoutable. Et si quoi pensa, il se dit somo pensa. Il prend la pierre. Jacob akamati libanga. Il la roule, il la fait mettre debout. Abalusi yango atelemisi yango. Et il verse sur la pierre de l'huile. Il dit, ce n'est pas n'importe quelle pierre. C'est une pierre spéciale. Alors que je l'ai prise comme le cheveu de ma tête, j'ai vu les merveilles de Dieu. Non. Cet endroit, c'est la maison de Dieu. C'est-à-dire Bethel. Et moi, je ne le savais pas. Alors, bongo, il s'est dit, moi, je vais faire ma prière en cet endroit. Jacob a mis le béni na kusali le bondeli na ngai kaka na sikoyo. Car je suis à présent convaincu que Dieu est ici. Po sika na sukisa mi solo et nzambe asali awa. Et il s'est mis à parler à Dieu. Bongo Jacob a mandi ko le bela nzambe. Alors si tu me donnes de quoi me vêtir. Bongo soko pesinga eloko ya kolata. Si tu me donnes de quoi manger. Soko pesinga eloko ya kolia. Et si tu me donnes la paix. Pe soko pesinga kimia. La paix s'équivaut à la vie. Hein? Car si on a la paix, on a la vie. Mais si on n'a pas la paix, on n'a pas la vie. Alors, Jacob demande à Dieu ces trois choses. Qui ne sont à nous les âmes vraiment valeureuses et importantes dans notre vie.
biloko ezalaka pona biso bato ya mokili na mutuya makasi makasi penza na ntina makasi na bomo inabiso. Pour lesquels parfois nous nous rebellons contre Dieu. Tamusu pona biloko yango biso totombele kala kazambe. Nous choisissons d'aller chercher ailleurs chez les diables. Toponito kendo koloke pai mususu e pai na zabolo. Au lieu de rester attaché à Dieu. Na esika kutika na kukangama na nzambi. Ces trois choses. Biloko misato yo. C'est avoir de quoi se vêtir. L'habillement. L'habillement. Et puis avoir mangé. Et oui, être en paix, ne pas tomber malade, avoir une bonne santé. Ce sont ces trois choses que nous voulons toujours avoir. C'est pour cela parfois nous cherchons beaucoup d'argent. Et pour toujours satisfaire ces trois besoins. Bien-aimé du Seigneur. Jacob dit à Dieu. Jacob a dit à Zambé. Si tu me donnes ces trois choses. Là où je pars. Si tu me protèges dans mon voyage. Et que je ne périsse pas. Quand tu me béniras. Je reviendrai en cet endroit. Pour te donner la dîme de tous mes biens. Et il est parti. Vous ne lisez pas la Bible. La plupart d'entre vous, ils ne lisent pas la Bible. Mais ils connaissent tous les noms des films à la télé. Les noms de toutes les séries. Même les histoires mensongères qui se racontent dans des séries, ils retiennent tout ça par cœur. Les noms des acteurs de série, vous le retenez. Des gens qui ne peuvent même pas vous sauver. Mais plongez votre regard dans la loi parfaite. La parole de Dieu. Là, vous allez découvrir. Dans les chapitres qui suivent. Quand Jacob est allé là chez Laban, le frère de sa mère. Comment il a été béni par Dieu. Il est devenu multimilliardaire. Avec beaucoup de bétail. Et oui. Alors qu'il était déjà béni. Dieu lui dit un jour en songe. Jacob. Jacob. Je suis le Dieu de Bethel. Nazemi Zambe ya Bethel. Qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère. Zambo abimelaka yo tango bandeko kimande kuna yo. Retourne à Bethel. Zonga kuna na Bethel. Vas-y à Bethel. Kende kuna na Bethel. Et là. Bekuna. Tu dois m'offrir ton offrande. Et Jacob, bongo Jacob était obligé de retourner à Bethel. Et quand il était rentré à Bethel, là Dieu s'est encore manifesté à lui. Il s'est élevé au-dessus de lui. Et il lui a encore parlé. Et Dieu lui parlait comme étant le Dieu de Bethel. Alors nous allons maintenant apprendre la pierre. Qu'était-ce? Cette pierre merveilleuse que Jacob avait fait son chevet. Oh, Jacob a commis ça qui coussin à mutuna. Et alors, bongo, dans cette nuit-là, cette pierre s'est transformée en une échelle. Ben a butoné le bango et changé que comment qui échelle? Vous allez vous rappeler. Bongo kanisa. Dans les livres de 1 Pierre, le Seigneur dire. Namukanda petele yambun kolo koloba. Même dans les livres d'Ésaïe. Attends namukanda Isaïa. Voici, j'ai mis en Sion une pierre. Botala na tchekat na Siona le banga moko. Choisie précieuse. Le bango est ponami, paye à mutuya. Mais quiconque se confie en elle ne sera jamais confus.
C'est-à-dire, quiconque fait de cette pierre son chevet ne sera jamais confondu dans sa vie. Alors nous allons voir comment faire de cette pierre notre coussin. Alors vous allez vous rappeler dans l'évangile selon Jean, là, à partir du verset 47 jusqu'au verset 51, chapitre 1. Oui. Alors, Bongo, Jésus-Christ est arrivé. Jésus-Christ est arrivé. Pendant qu'il était dans la chair et commençant son ministère ou sa mission terrestre, alors qu'il appelait encore ses disciples, un de ses disciples qui, du nom de Nathanaël vint en lui. Quand Jésus aperçut Nathanaël, Jésus dit, Yesalobi, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël de s'exclamer. Bongo Nathanaël a kamwaki. Parce qu'il savait que c'était le secret de son cœur. Il dit, mais d'où me connais-tu? D'où m'as-tu vu? Alors Jésus lui dit, avant que Philippe ne t'appela, moi je t'ai vu quand tu étais assis sur le figuier chez toi. Yambote Philippe a benga yo. Ngai na mwana kio tango pande kina sasa zita figi kuna epai na yo. Et Nathanaël se souvient qu'en cet endroit il était seul. Nathanaël pa kanisiete na sika yango azala kisaye moko kaka. Comment cet homme dit qu'il m'a vu là-bas? Dene ni mutu alibiete amwana kinga ikuna. Et Nathanaël de s'exclamer. Nathanaël a kamwe pesa. Il dit. Alobi. Oh, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Oh, Motei, yo, osili mwana nazaka. Tu es le roi d'Israël. Osili mokosi na Israël. C'est alors que Jésus lui dit. Tangwa na ndeye selebi na Nathanaël. Maintenant, Sikawa, tu crois parce que je t'ai dit que je t'ai vu. Osili kote mpona ibisu ete na mona kiyo. Mais désormais, vous verrez de plus grandes choses. Kasi bandale lo, bokomone biloko ya minene ko leka oyo. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre et le ciel ouvert. Vous voyez? Est-ce que bomoni? Jésus reprend exactement les songes qu'avait vu qui? Jacob. Yes, asongeli koloba penda polele polele ndoto Jacob amona kiwana. C'était pour dire quoi? Que les anges de Dieu montaient et descendaient sur l'échelle, mais cette échelle-là, c'est moi. Et je dis ensemble, c'est là qui commata. Peut-être que tu es dans l'échelle, peut-être que l'échelle est là qui est. Et la pierre qui s'était transformée en échelle, c'est toujours moi. Peut-être que tu es dans l'échelle, peut-être que l'échelle est là qui est Ngaï. C'est pourquoi le Seigneur n'avait pas honte d'enseigner aux hommes. Bona bongo ndenkolo, azeleki na sonite pona kutangisa bato. Je suis le chemin. Nazali nzela. Alors, bongo, ici à la JSM, aona JSM, ce qui guérit, c'est la parole de Dieu. Oui, biki saka bato na maladi, ezeli ndeli lobana Nzambe. Ce qui délivre, c'est la parole de Dieu. Ouais, kango la kabato, kaka lilo bana zambi. Ce qui bénit les gens, c'est la parole de Dieu. Ouais, pambo la kabato, kaka lilo bana zambi. C'est ça ici. Et c'est le bongo pesa awa. N'attendez pas à la fin les mains des pasteurs pour dire que oh, je suis un homme puissant. Si je vous touche, vous êtes béni. Ce sont des pasteurs escrocs qui vous ont habitué comme ça au Congo. Bon, il était dans ce camion, il est pasteur à Changa Mboko na ye alobo na c'est le pasteur Anguya. Bongo te,
C'est pourquoi vous voyez le pays à sombre. Pourtant, il y a plein d'églises. Pourquoi? Parce que des menteurs, des escrocs, sont entrés dans l'œuvre de Dieu. Pour se remplir les poches, et dire que vraiment je suis puissant, ils ont même pris la magie. Et ils vous font tomber comme des mouches. Et vous, quand vous tombez, vous dites que je suis guéri. Mais le pays est toujours en train de s'enfoncer. Et ses habitants deviennent toujours plus pauvres. Réveillez-vous, Congolais. Vous dormez. Moi, si j'étais à votre place, je ne dormirais pas. Il ne faut pas dormir. Il faut écouter cette parole que Dieu envoie. Revenons à notre prédication. Le Seigneur, en se présentant à Nathanaël, en lui disant, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pourquoi il le disait? C'était pour signifier que celui que Jacob avait vu en songe, c'est moi. La pierre dont il avait vu son chevet, c'est moi. Libango Jacob a commis ça qui, cousin Mutunaye, Ezrindengai Yesu. Et l'échelle, c'est toujours moi. Pêche les Anakipeka Kangai Yesu. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas eu honte de dire aux hommes, je suis le chemin qui conduit vers le Père. Bonabongonde, collègue qui sonite pour la Kébis Batuete, Nazalise là, où est-ce que mon batu tiens pas une tata? Nul ne vient au Père que par. Je suis le seul chemin qui conduit vers Dieu. Et oui, le Seigneur, celui que nous devons faire comme étant notre appui-tête. Mais comment faire de lui notre appui-tête? Parce que Jésus, tel qu'on vous, on vous le présente, on vous présente Jésus comme un homme. Jésus était une fois homme. Maintenant, il n'est plus homme. L'apôtre Paul. Thomas Paul. Par la révélation que Dieu lui a donnée, il a dit, si on avait connu le Seigneur dans la chair, maintenant on ne connaît plus de cette façon-là. Vous, Corinthiens, vous devez le savoir, maintenant Jésus n'est plus dans la chair. Mais le Seigneur est esprit. Il est esprit. Et l'esprit, c'est quoi? C'est la parole. Bien-aimé du Seigneur. Faire de Jésus notre appui-tête. C'est prendre sa parole. Faire de cette parole notre appui-tête. Aimer cette parole. Marcher selon cette parole. Alors là, vous allez vous rappeler ce que l'apôtre Paul a enseigné aux Philippiens en leur disant que ce qui est pur, que ce qui est juste, que ce qui est digne d'approbation, que ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. À chaque instant,
n'ont pas pensé aux mauvaises choses. Pensez à Christ. À chaque instant. C'est-à-dire penser à sa parole. Même si un problème t'arrive dans ta vie, tu te dis, si Jésus était à ma place, qu'aurait-il fait? Aurait-il agi? Comme moi je vais agir ici? Ou non? Même si on te provoque quelque part, tu veux te fâcher, tu veux te venger, tu te poses la question, alors si c'était Jésus dans à ma place, comme quand il était dans la chair, aurait-il fait comme je vais le faire ou pas? Tu vas sentir en toi une réponse qui te dit que Jésus n'aurait pas fait ce que toi tu veux faire là. Chaque fois que quelqu'un prend la décision de marcher comme Jésus a marché, c'est cela, prendre cette pierre là et en faire notre appui tête. Mais si nous nous écartons de l'évangile de Jésus, nous devons savoir que nous ne serons pas à l'endroit où il y a cette pierre. Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu. La vraie église. L'église où il y a seul en Zambie. Tu arrives à cet endroit. Au commun d'Estika Yango. Tu es main vide. Aux élus m'ont beaucoup parlé et l'autre mon côté. Tu n'as rien. Aux élus attendent l'autre mon côté. Tu n'as pas de boulot. Aux élus m'ont salaté. Tu n'as rien. Et l'autre mon côté pesant. Mais tu t'aperçois que Dieu est en cet endroit là. Car ce monde est un Zambie basé dans Estika Yango. Tu fais ta prière. Dieu, si tu es ici, Zambi, soki soli ozali awa, guéris mon enfant. Bikisimana nangana maladi. Si tu guéris vraiment mon enfant, soki pesa bikisimana nanga yoyo, voilà ce que je vais faire. Tala denga na kusala na kusala boyo. C'est ce que nous disons souvent. Yango ndebisi peto lobaka na biso. Dieu, si tu es ici, Zambi, soki soli ozali awa, donne-moi du travail. Pesanga musala. Si tu es ici, soko ozali awa, donne-moi un mari. Pesanga mobali. Donne-moi ceci. Pesanga lokoboye. Donne-moi cela. Pesanga lokoboye. Et Dieu aussi le fait. Zambi pesali yango. Mais quand Dieu l'a fait, Kastango Zambi pesali yango. Nous, biso, nous devenons des ingrats. Tokoma kana biso, ba tchakobosa na bolamu Zambi pesali wana. À cause de la dureté de notre cœur. Voilà mitema na biso eleki makasi. Et parfois Satan vient titiller nos pensées. Parfois on se dit non, si j'ai eu ça c'est parce que peut-être parce que je suis connu, hein. Cette personne là connaissait mes parents, hein. Quand m'a fait embaucher, hein. Non, c'est parce que j'ai le diplôme, hein. Parce que je suis intelligent, hein. Tu oublies ce que tu avais demandé à Dieu quand tu as fait ta prière, alors que tu n'avais rien. La vraie église, église est solo, pour la reconnaître, pour la croyer, yango, là où elle est, et yango est dit, parce que Dieu nous a laissé sur cette terre en tâtonnant. L'apôtre Paul le dit dans les Actes des Apôtres. Dieu a laissé à tous les hommes qu'ils puissent les chercher en tâtonnant. Tu vas entrer dans telle église. Comment savoir que c'est la maison de Dieu? Comment savoir que la pierre s'y trouve? La pierre qui se transforme en échelle. Là où il y a les anges de Dieu qui montent, qui descendent. Beaucoup de gens parmi vous ont déjà vu les anges de Dieu ici.
Nous voyons de beaucoup de gens qui donnent des visions. J'ai vu des anges qui montaient à la chair là-bas, qui descendaient pendant qu'on chantait. Ils chantaient avec nous. Et oui, pourquoi vous voyez ces choses-là? Parce qu'ici à la JCM, Dieu a mis cette pierre-là. Zamba chei ni banga wana. Ici à la JCM, il y a cette pierre-là qui se transforme en échelle. Cette pierre-là, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole que Dieu m'a donnée pour enseigner au monde. Cette parole, tu écoutes. Tu fais ce que la parole t'enseigne et tu vois la solution. Et oui, bien-aimé du Seigneur, mais hélas, qu'est-ce que tu les enseignements de Jésus? Jésus a enseigné, il a dit aux hommes, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, okolinga, mosalani na yo, mais tu haïras ton ennemi. Kasi okoyina, munguna na yo, mais moi, je vous enseigne. Kasi nga na zotangi sebino, aimez vos ennemis. Bolinga, banguna na bino, priez pour ceux qui vous persécutent. Bosambele pona bato, baze konyoko na bino. Bénissez. Bopambola. Mais ne maudissez pas. Kasi bola kena mabete. Quel que soit le mal que l'on vous a, qu'on vous a fait. Ataba selele bino, mabe ya ndenge nini yango. Ne maudissez pas. Bola kena mabete. Bénissez. Kasi bopambola nde. Oh. Maintenant, regarde toi, tu as déjà maudit combien de gens dans ta vie? Siko yo mokotala, batu boni osu la kena mabe na bomo inayo. Beaucoup non. Batu mingite, hein? C'est tous ceux qui t'ont escroqué l'argent. Ming ming bato ba yiba yo bongo na yo wana. Epembe na yo. Ah, kil sana kil mara. Parce que les Congolais, pour être ba Congolais, quand ils disent epembe na yo, ils pensent que ce n'est pas une malédiction. Tango ba ke epembe na yo, ba yeba ke tete zina kila kili mabe. Mais tu lui as souhaité la mort, non? Kasi tombe ni mutwana li wate, hein? Et plus tard, quand la personne trouve la mort, nasima mikolo, ce qui mutwana kuteli na liwa, toi tu dis que tu n'as jamais tué personne. Tu as déjà tué. Tu avais maudit quelqu'un. Tu lui avais dit tu lui avais souhaité la mort. Et quelques temps après, la personne a trouvé la mort. Bien aimé du Seigneur, faire de cette pierre notre appui-tête, c'est être en mesure de faire ce que Jésus a enseigné. C'est alors que les anges de Dieu vont arriver jusqu'à nous, vont prendre soin de nous, vont amener nos problèmes auprès de Dieu, et que Dieu sera au-dessus de nous. Chaque fois que nous ferons des prières, nos prières seront exaucées. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes là à l'endroit où il y a la pierre. Parce que nous avons fait de cette pierre notre appui-tête. Nous marchons selon sa parole. Nous faisons sa volonté. Nous faisons partie de sa maison. Si vous arrivez dans une église, on vous dit, donnez d'abord. Comme on vous dit aussi au Congo. D'abord le prophète. Mais dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, là où il y a la maison de Dieu, là où il y a Bethel, là où il y a la vraie église de Dieu, on ne va pas vous dire donner d'abord.
Mais au contraire, Kasi, c'est vous qui allez demander à Dieu, donnez-nous d'abord. Alléluia. Eh oui. Dieu, donne-moi d'abord. Jacob n'avait rien. Jacob, il n'avait qu'un seul bâton. Avec lequel il fuyait. Il dit à Dieu, si tu me donnes de quoi me vêtir, si tu me donnes à manger, si tu me donnes la paix, alors je viendrai te donner la dîme de tout. Ces trois choses. Là où Dieu est, où que tu ailles, pour que tu saches que Dieu est en cet endroit, dans cette église-là, c'est ça le thermomètre que je vous donne en cette fin de siècle sous la terre. Parce que Dieu n'a pas changé. Pour Zamba changer, où que tu ailles, n'importe où, on te dit Dieu est là-bas. Fais cette prière-là. Même si tu n'as pas d'endroit où habiter, même si tu n'as pas d'argent, dis Dieu, si tu es ici, donne-moi de quoi me vêtir, donne-moi de quoi me nourrir, donne-moi la paix. Mais toi aussi, engage-toi à marcher avec Dieu. Mais non pas, tu vis dans une maison de prostitution. Et tu dis, Dieu, donne-moi à manger. Non. Pour aller donner ton makango là. Pas question. Dieu ne va pas te donner ça. Tu vas au coquin, Mananzala. Hein, tu vas galérer vraiment. Pourquoi? Bon ami. Parce que Dieu connaît que toi, tu habites dans une maison de prostitution. Bon, ça m'a dit, tu es venu dans la Kimakango, toi, Kindumba. Amen. Amen. Rappelez-vous. Rappelez-vous. La femme samaritaine. Moi aussi, mon Samaria. Jésus lui dit, je suis la source d'eau vive. Yes, I bissé. Nazini Mutiama ya bomo. Et la femme dit, donne-moi de cette eau. Moi, ça me le pèsanga et maïango. Donne-moi quoi? C'est ton que je boive pour que je n'ai plus jamais soif. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Bien, je vais te donner. Mais d'abord, va d'abord m'appeler ton mari. Appelle-moi ton mari. Et la femme dit, directement elle se souvient, elle n'a pas de mari, mais elle vit avec un mari d'autrui. Elle dit, j'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as dit la vérité. Parce que tu en as eu combien? 5. Ndumba. Applaudissons fort le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Lorsque tu fais cette prière-là, il ne faut pas que tu continues avec les péchés. Parce qu'il y en a qui font cette prière-là, mais qui continuent avec les péchés, ils continuent dans le mal. Là, Dieu ne fait rien pour toi. Sois comme Jacob. Jacob. Il a dit, moi je vais marcher avec toi. Alors si tu me protèges, si tu fais ce que je te demande, comme moi je vais t'obéir, comme moi j'ai choisi cette pierre, et cet endroit est devenu la maison de Dieu, l'endroit où je viendrai faire mes libations au Seigneur. Moi, je t'offrirai la dîme de tous mes biens. Ne donnez pas la dîme de vos biens aux esclaves. Non, ils vous mentent. Ils vous mentent. D'abord, Dieu doit agir à votre égard. Et quand Dieu vous a béni, venez maintenant lui donner ce qui lui revient. À l'endroit où il vous a béni là. À l'endroit où il s'est manifesté là. C'est là où il y a la vraie
église. Et si qu'on a église solo solo isali. N'allez pas donner cela ailleurs. Non, allez là où Dieu s'était révélé à vous. Au moment où tu fuyais la mort. Au moment où tu avais des problèmes. Tu ne dormais pas. Mais tu es arrivé à cet endroit-là. Tu as trouvé la paix. La paix dans ton foyer. La paix au boulot. Tu as trouvé la promotion au boulot. Tu as trouvé la solution à tes études. Tu as obtenu des minervales. Tu as terminé tes études. Tu as maintenant des diplômes. Oh bien-aimé. Tourne en cet endroit. Zonga là où il y a Jésus-Christ. Mais hélas, nous nous confions aux hommes. Nous nous confions dans notre chair. Je suis belle. Les hommes vont me désirer. Après tout, je ne peux pas manquer un mari. Hein. Il faut que je mette de beauté. Je mette ceci. Et je suis sûr et certain. C'est ma façon de marcher. Les gens vont me regarder. Et décider. Je vais m'attacher à un homme. Et je vais gagner ma vie. Non. La Bible est claire. Dans le livre du prophète Jérémie. Là. Au chapitre 17. Du verset 5 au verset 8. Il est dit ceci. Maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Ala kele mama pe. Maudit soit quiconque dont la chair est son appui. Il est pareil à un misérable qui habite les lieux arides. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Non, c'est que ça là, c'est que si bâti. Tandis que là, il est dit, heureux est celui dont l'Éternel est son appui-tête. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et dont les racines s'étendent jusque vers les courants d'eau. Et son feuillage ne flétrit jamais. Tout ce qu'il fait, non, c'est que ça, là, ça va marcher. Et alléluia. Applaudissons fort le Seigneur. Il y a des gens qui viennent toujours m'aider. Pasteur André, il faut prier pour moi pour ceci. Pour cela. Moi, très souvent, je souris seulement. Je dis que ces gens ont-ils compris ce que j'enseigne? Il n'y a pas une délivrance pour le porte-monnaie. Une délivrance pour les études. Une délivrance pour le boulot. Comme des pasteurs là. Ils ont habitué. Ils ont coupé des morceaux de délivrance. Donnez une offrande spéciale pour parce que nous allons faire la délivrance pour des affaires. Ceux qui veulent faire des affaires, les commerçants, venez. Bon, ici, ce n'est pas comme ça. Ah, ouais, c'est bon côté. Et ici, il n'y a qu'une seule délivrance. Ah, bon, applaudissons fort, le Seigneur. C'est faire de Jésus-Christ ton appui-tête. C'est fini. Et quand tu as fait cela, tu vas avoir tout. Jacob, il a fini par se marier. Il a trouvé du boulot chez Laban. Il a eu beaucoup de bétail. Il a eu des enfants. Il a eu beaucoup de biens. Applaudissons fort le Seigneur.
Dès que tu prends la décision, moi ma vie, je vais la confier au Seigneur. Parce que sur cette terre, il y a des menteurs. Les hommes sont des menteurs. Et surtout vous les mamans. Si toutes les jeunes filles qui ne se sont pas encore mariées, faites très attention. Il y a actuellement une race des hommes sur la terre. Mais ce sont les démons. Mais habillés en peau des hommes. Leur mission, tromper les femmes sur la terre. Les faire enfanter. Et après, abandonner ces femmes-là. Ou soit ils t'épousent, mais c'est toi qui vas commencer à les nourrir. Et pour les hommes, pareil aussi, ne vous laissez pas séduire par ces bonnes jeunes sœurs-là qui changent la couleur de leur peau pour vous attirer avec des cabelles jusque là-bas sur les dos. Faites attention. Confiez-vous au Seigneur. Avant de vous marier.